bien. Bonjour, Talia. Comment tu nous as trouvés? J'ai reconnu ta garde personnelle. Il ne me restait plus qu'à... la suivre, en fait. Pitié, maîtresse, il m'a berné. Allez, va-t'en. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Tu n'avais pas besoin de te faire arrêter juste pour me voir, Bruce. Après la nuit qu'on a passée à Métropolis, il te suffisait de m'appeler. Je ne suis pas là pour toi. Où est Raz? S'il est encore mort, j'ai besoin que tu ailles le réveiller. Seul un vrai successeur a le droit de voir le grand Ra's al Ghul. Mon père a toujours souhaité nous voir réunis, toi et moi, pour commander son armée. Voilà, tout qui... Oula. Imagine un instant. Calmos, calmos. Toi, moi, un monde meilleur. Et Talia, Talia c'est une pute, hein, donc... Ton visage... Qu'est-ce qui se passe? Je suis ici pour prendre ma place à tes côtés. Tu veux devenir un assassin? Pourquoi devrais-je croire à ce revirement? Tu as vu mon visage. Est-ce que j'ai l'air d'avoir le choix? Es-tu prêt à passer les épreuves du démon? Tu dois prouver que tu peux ôter la vie pour sauver le monde. Je suis prêt. Alors que les épreuves commencent. Pour t'expliquer, Talia, dans un animé ou dans un comic, je sais plus, elle drogue Batman en fait pour le violer et elle lui fait un enfant contre son gré, voilà. Des milliers de guerriers ont péri en tentant de trouver le démon. Les successeurs potentiels n'étaient en fait que des enfants incapables d'affronter l'énormité de la création. Tout simplement, voilà. Rien ne peut te préparer à ce qui t'attend. Jamais. Ensuite. Le destin décidera de ton sort. Je n'échouerai pas. J'ai entendu ces mots une centaine de fois. Espérons que tu aies raison. Ton voyage commence derrière cette porte. On peut commencer. Tu es sûr, Bruce? Un seul homme a survécu à cette épreuve. Tu essaies de me convaincre de ne pas le faire? Bien sûr que non, mais... Je veux que tu sois sûr. Quand le sang du démon s'emparera de toi, tu seras tout seul. Comme toujours. Puissent les esprits être cléments. Ok. Bienvenue, détective. Je me présente, je suis le grand Ra's al Ghul. Devant vous se trouve la première épreuve du démon. Il suffit de boire dans ce calice. Ça n'a rien de compliqué. On dirait le calice de Dumbledore. Bien. Sentez le sang du démon se répandre dans vos veines. Restaurez votre santé et altérez votre volonté. Votre prochaine tâche est simple. Suivez-moi dans ce monde et l'épreuve sera terminée. Si vous touchez quoi que ce soit en chemin, vous mourrez. Ok. Ces épreuves permettront de déterminer si vous êtes suffisamment fort pour diriger mes troupes et pour sauver ce monde du mal qui le détruit. Le mal qui le détruit. Vas-y là! Ta 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 ta.
Parce que, est-ce que tu connais Ra's al Ghul ou pas, Amando? Ok, attends. Le sang du démon m'a permis de vivre pendant 600 années. Imaginez un peu tout le bien que vous pourriez faire avec un tel don. Ra's al Ghul, en fait, c'est le chef de la confrérie, entre guillemets, des assassins. Et en fait, il se fait toujours ressusciter, il meurt jamais. Parce qu'il a un puits de Lazare, et le puits de Lazare, quand tu rentres dedans, tu reviens à la vie. Et ça te rend aussi un peu plus jeune, si j'ai pas de bêtises. Je vois que votre corps est en train de s'affaiblir. La petite quantité que vous avez pu avaler ne vous maintiendra en vie que pendant quelques précieuses heures supplémentaires. Il est temps pour vous de prendre l'ultime décision. Aïe. Le moment est venu pour vous de m'affronter en personne. Remportez ce dernier défi et le sang du démon vous offrira en retour la vie éternelle. D'accord. Let's go. Vous avez réussi, détective. Maintenant, venez me retrouver. Je vous donnerai votre récompense. Prosternez-vous devant moi, jeune assassin. Réussi. Tu as l'air surprise. Bien sûr que non, j'y ai toujours cru. Où est Ra's? Il faut que je le voie. Je n'ai plus beaucoup de temps. Ton dernier défi t'attend derrière cette porte. Je prie pour que les esprits t'épargnent. Ok, Talia, merci. Merci beaucoup, Talia. Vous êtes bien aimable pour une fois. Voilà, Ra's al Ghul, tu vois, il y a le puits vert en fait derrière, c'est ça, le puits de Lazare. Ra's al Ghul. Mon père. Bienvenue, détective. C'est l'heure de votre dernier défi. Tuez-moi. Devenez la nouvelle tête de démon. C'est votre destinée. Je ne tuerai jamais. Même pas vous. Quoi? Tu m'as menti. Il me fallait un échantillon du sang de ton père. C'était le seul moyen. Permettez-moi de vous aider. Utilisez mon épée. Prenez tout. Non. Et c'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre. Regarde, ah, hop, il va se plonger dans le puits de Lazare. Un
bien ce qu'on va voir. Quand vous en avez eu l'opportunité. Oh, oh, oh. Vous auriez dû accepter de nous rejoindre. Ah. Nous sommes imbattables. Vous ne pouvez rien contre nous. Boum. Découvrez la puissance véritable de mon puits de Lazare. Non, je suis un con. Ah! Aïe. Destinés à diriger cette planète pour éliminer la lie de l'humanité. Nous seuls pouvons le faire. Mon père est âgé. Son temps est révolu. Le nôtre commence à peine. Prends sa lame. Tue-le. Accepte ton destin. Accepte notre destin. Tu sais que c'est impossible, Talia. Alors, mon ange, tu devras mourir. Ma vie est pas folle folle là. Hein. Vous n'arriverez jamais à le vaincre. Boum. Nous sommes Vas-y, beaucoup lui, trop nombreux pour vous. Nous sommes beaucoup trop nombreux pour vous. J'arrive pas à le contrer à chaque fois. Je suis mort. Hein. J'ai 2 HP. Nous sommes nombreux. Il me reste 1 HP. Vous n'arriverez jamais. Rien contre nous. En fait, quand, il fait, son dash, j'arrive pas à l'esquiver. Enfin, à le parer. Il semble que je me sois lourdement trompé. Hein, détective? Ah, il faut esquiver, il faut pas le parer. Ok, c'est marqué en haut. Je pensais qu'il fallait les parer, moi. Je suis un mec de parade, moi. Mais en fait, faut esquiver. Jamais à nous vaincre. Ah.
Nous okay, sommes c'est nombreux. C'est plus simple du coup si j'esquive. Vous n'arriverez jamais à le faire. Vous ne pouvez rien contre nous. Nous sommes beaucoup trop nombreux pour vous. Vous êtes nombreux. Nous sommes imbattables. Vous auriez dû accepter de nous rejoindre. Ok, bon je suis mid armure mais... Vous allez souffrir. Vous ne pouvez rien contre nous. Ah, j'ai pas de chance. Je suis mort. Ok. Ok, ok, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, les mecs. Mais qu'est-ce que tu fais ? Écoutez-moi, détective, et écoutez bien. C'est moi que vous allez tuer. Vous dirigerez la Ligue des Assassins. Car si vous ne nous rejoignez pas, je tuerai la seule personne que vous ayez jamais aimée. Ça ne devait pas se passer ainsi ! Allez. Bow. Détective. Vous auriez dû me tuer. Oui, il aurait dû. Quel genre d'homme est capable de sacrifier sa propre fille ? Et toi, tu m'as menti. Je croyais que tu m'aimais, Bruce. Je croyais que tu étais prêt à rejoindre notre croisade. Talia, je... Arrête. Vous vous valez bien, tous les deux. Vous paraissez vieux, Raz. Que se passe-t-il vraiment ici ? J'ai utilisé le puits de Lazare bien trop de fois. J'ai vécu pendant 600 ans. Mon esprit et mon corps sont à bout de force maintenant. Chaque fois que j'entre dans le puits, j'ai peur de ce qu'il en ressortira. Le puits de Lazare a corrompu votre esprit. Réfléchissez. Si votre puits tombe dans de mauvaises mains, vous ne pourrez rien pour arrêter des siècles de destruction. C'est votre seule chance de vous racheter, Raz. Arrêtez votre croisade, ou vous aurez affaire à moi. GG's, guys! Bruce? Mais où est-ce que vous étiez passé?
Je vous croyais mort. Désolé de vous décevoir. Vous avez trouvé Raz ? Hé ! Mais attendez, les signaux de votre tenue sont redevenus normaux. Vous êtes guéri ? Qu'est-ce qui se passe ? Raz et ses troupes sont basées sous Arkham City. Ils sont occupés à extraire un produit chimique naturel, qu'il appelle le Lazare. Ça fait des siècles qu'il l'utilise. Il l'a perfectionné jusqu'à ce qu'il soit capable de revenir du monde des morts. Et vous en avez beaucoup ? Il m'y a forcé. À petite dose, ça semble guérir la plupart des maladies. Mais même une si petite quantité génère de terribles effets secondaires. Avec tout ce qu'il a pris, Raz a basculé. Alors, vous pensez que vous êtes guéri ? Non. Les effets sont temporaires. Les robots sont vivants, je rêve. J'ai tenté de me convaincre d'utiliser son puits, mais c'est beaucoup trop risqué. Quand j'en aurai fini ici, il faudra que je me penche sur la technologie Lazare. J'ai dit à Raz de fermer son puits. Et vous croyez qu'il le fera ? Ça m'étonnerait. Raz est accro à ce puits. Je lui ai donné une chance d'oublier cette addiction. Sinon, je devrais m'en charger moi-même. Il existe une meilleure solution. Robin vous a donné l'échantillon ? Oui, il est à l'hôpital de Gotham. C'est la folie là-bas. Eh hey Barb, content d'avoir de vos nouvelles. C'est moi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bruce, ça va mal. L'hôpital de Gotham compte au moins 30 cas confirmés. Merci, on a presque 50. Et on dirait que ça se propage partout dans la ville. J'ai fait une simulation. Le sang du Joker pourrait être dans le corps de 2000 personnes dès demain matin. Les premiers décès sont attendus très vite. Je retourne voir Freeze en ce moment même. J'espère que l'échantillon de sang que j'ai pris à Raz complétera la formule de l'antidote. J'espère bien. C'est où la porte déjà ? Bien en haut ? Ah, c'était peut-être plus... Ah ouais, c'était plus haut, parce que je suis arrivé par le haut, par une gargouille. Je suis arrivé par là. Il y avait un passage derrière une gargouille. J'en ai eu sur le mur comme celle-là. Là, il y a un trou, mais c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Ah. C'est où déjà le... Je crois que c'est... Attends. Je crois que c'est ça. C'est là, non? Non, c'est pas là. C'est pas là. Ah si, les tapis. Ça me dit un truc, les tapis. Attends, je suis revenu en arrière, là. En arrière. Ok, c'est là. C'est bon. DJ. Dans 2 heures. Ok. Il y a des gens. Vu comme les gars du pingouin ont pris la tangente. En vrai, j'en bats les couilles, non ? J'ai hâte. Je crois qu'on va bien s'éclater avec ces piafs. C'est clair. Dis bonjour au petit oiseau. Bang ! Et après, on retourne à la Scary. Ah. On continue dans les tunnels et on trouve un moyen d'atteindre le musée pour descendre le pingouin. Et si Batman l'a chopé ? Alors, ça nous simplifiera la tâche. Écoute, ça reste entre nous. Mais il paraît que Cobblepot cache un tas de trucs dans son fichu musée. Si on l'atteint, le butin pourrait être à nous. Pas besoin de dire au patron. T'es sérieux ? Ah ouais ? Pourquoi ? Ouais ! C'est où l'entrée déjà ? De toute façon, il sera bientôt mort, non ? On dirait bien. Et puis bon, même s'il s'en sort, il n'aura aucun moyen de savoir ce qu'on a fait.
Ce sera cool. Par où j'étais rentré ici, par le bas? Je m'affaiblis très vite. Trouvez mon antidote, chérie, et tuez celui qui le détient. Le jeu. En fait, je voulais l'assassiner. En fait, je vous explique ce que je voulais faire, mais le jeu m'a empêché. Je voulais l'assassiner en rapide et partir, mais le jeu voulait pas. Il m'a laissé l'assassiner en soft. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Tant pis. Le protocole 10 prendra effet dans 2 heures. Dans 2 heures. T'as vu comme les gars du pingouin ont pris la tangente? Ouais. C'est pas fini. Il nous reste plus qu'à attendre. Nous regrouper et filer dans les tunnels pour éliminer ceux qui restent. Personne n'arrivera à nous descendre. Bah moi. Il manque quelqu'un. C'est qui? Viens par là. Entendu le patron. Viens par là. Oh non, c'est pas vrai. Les mecs, ramenez-vous par ici, tout de suite. Viens. Va pas à droite. Allez, relève-toi. Oh merde, il est KO. On est foutu. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La ferme. On doit continuer à chercher où on va tous passer. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trop peur de se montrer? Par ici. Je la fais. Allez, bouge ton cul. Eh oui, mais tu mets 1h30 à ouvrir une trappe. Donc un effort aussi. J'ai pas pensé du tout. Non mais oh. T'es un brouilleur de merde, je peux pas. Si tu m'entends, je sais que tu m'entends. Je veux que tu saches que quoi que tu fasses à ces gars, je gagnerai quand même. Ok, mon petit Jojo. C'est un foutu cauchemar. Le Kamehameha, je l'ai mis en attendant. Je vais pas le laisser, je pense. Après Gogeta, je le laisse pour le mode en colère ou le mode... Soit tu vois, t'es en colère, soit t'es en mode force, tu vois. J'aime bien. J'aime bien, ça fait double truc, tu vois. Alors du coup, si cette porte c'est là d'où je viens, celle d'où je dois partir, c'est en face. We are agree. We agree with that. Voilà, c'est là d'où je viens. Et pour moi, je venais d'en haut, donc c'est bizarre aussi. Ah, je me rappelle de ça. Je venais d'en face, je crois. Je venais pas d'en face quand j'ai vu ça. D'en haut.
C'est un peu chiant de trouver son chemin à chaque fois. J'étais venu ici pour casser ça la première fois. À droite. J'avais bien que j'étais vu d'en haut. Ok, on s'en sort bien. Ou pas. Ou pas, c'est lui. Le marsupilami. Ce côté, attends, je viens de ce côté, ouais. Pas pour revenir du coup. Je ne suis pas là pour me battre contre toi, Croc. Laisse-moi passer. Ton odeur est différente. Je sens la mort en toi. J'ai pas besoin de me battre contre toi, Batman. Il me suffit d'attendre. Et puis, je pourrai déguster ton cadavre. Vas-y, Killer Croc, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'il fout là, ce trou de balle? C'est bien, hein, c'est bien d'être là, mais à quoi ça sert? Je peux rien faire. Je dois faire demi-tour et aller vers le terminal du métro. Merci bien. Dans le terminal du métro. Je sais même pas de quoi il me parle. Terminal. La tête là en face. J'avoue, son terminal du métro, je sais pas ce que c'est. Hein. Ils ne les protègent pas des attaques aériennes. C'est la chauve-souris! Je
ça dégage la racaille. Ok, je vois où je suis là. Je vois où je suis. Ramasser quoi? Ouais ouais ouais. J'entends hein, ouais. J'y suis presque. Rejoignez le quartier et vivez. Ou restez avec le pingouin et mourrez. J'ai un niveau supérieur depuis 1h30, je vais le mettre. Bien, il y a des armes qui arrivent. Quoi? Vous espérez qu'on vous rejoigne sans aucune arme? Pas question. Et il a dit que des flingues arrivaient. Ce sera pas long. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Allez, du calme. Hey yo! Je vais te tuer, ordure. Ok. Merde. J'ai la giga frousse, ouais. Viens là, toi! Tu sais combien de dos je peux encore casser sur ta misérable carcasse? Oh, sans pitié! Ne me fais pas de mal, je te dirai tout ce que tu voudras! Pam 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 pam. Compartiment au hasard. Oh, je suis trop fort en fait. Allez, barrons-nous. Mais là. Non, pas vraiment. Je ne comprends pas. Pourquoi Strange voudrait-il envoyer le maire là-bas? Et surtout, comment Strange a-t-il réussi à faire arrêter le maire? Je ne sais pas, Barbara. Mais je vais le découvrir, j'en suis certain. C'est Batman! C'est personne, arrêtez de dire Batman, je sais pas quoi. C'est pas Batman, c'est personne. Ok. Qu'est-ce que je peux... Batman Sonic, désormais. De puissance. Le fait de monter sur la tyrolienne, c'est très fort. Je peux le faire, c'est très très fort. Okay. Ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être ça, ouais. Je savais que t'étais une poule mouillée. Je suis une poule mouillée. Alors qui va vous sauver maintenant?
Vas-y avec vos armes, vous êtes malaisant. Bam. Je n'ai pas besoin de vous, Batman. Qui me parle? Qui me parle? Il est où le maire? Elle est là, MDR. Mais pourquoi vous êtes allongé, monsieur? Rien de tout cela ne serait arrivé si vous n'étiez pas venu. Il faisait sa sieste. Pitié, non. Je veux tout savoir sur Strange et sur vos liens avec toute cette histoire. Je vais tout vous dire. Strange est venu me voir quand je dirigeais l'asile. Il m'a dit qu'il avait des amis. Des amis puissants. Des gens qui avaient le pouvoir de tout réaliser. Il me suffisait de fermer les yeux sur ses expériences et de travailler sur ma campagne. Il a dit que ses amis me feraient gagner à coup sûr. Qui sont-ils? Je n'en sais rien. Je ne les ai jamais vus. Ils ont tout financé. L'argent n'était pas un souci. Je devais juste créer Arkham City et laisser les rênes à Strange. C'était tout à fait logique. Les voyous de Gotham devaient être punis. Ce devait être mon héritage. Strange a kidnappé tous ceux qui avaient des preuves contre lui, et il les a envoyés à Arkham City. Profitez de votre héritage. Oh, Azrael, je t'ai vu. Bruce, je perçois des... Je te vois, Azrael. Je te vois, Azrael. J'arrive, Azrael. Je viens de discuter avec votre vieil ami Quincy Sharp. Il m'a confirmé que Strange collabore avec quelqu'un d'autre. Je vais trouver qui c'est. Qu'est-ce que vous racontez? Vous devez apporter ce sang à Freeze tout de suite. Je le ferai. Il faut d'abord que... Pas question. Vous devez retourner au GCP. S'il vous plaît, vous. Pour moi. Azrael. Es-tu celui dont parlent les prophéties? Avec un peu de chance, Batman est mort. Non. Et non. Alors attends, je voulais faire un autre truc. Batman Sonic, on s'en fout. Tenue, je m'en bats les couilles de l'attaque sautée. Combo spécial, animé de chauve-souris, je m'en fous. Lorsque vous atteignez un combo de x12 ou supérieur, sans utiliser de combo spécial, vous passez en mode concentration fluide. Votre vitesse et votre réactivité. Oh, voilà. Ça, j'aime ça. Ça c'est ce que j'aime. La vitesse. Ok. Il y a un truc là, c'est quoi? Hey Batman, vous m'entendez? Ici agent Jones, de retour au musée. J'espère que vous m'entendez. J'utilise une radio qui appartient au salon de l'iceberg pour récupérer l'amélioration. On a trouvé un truc dans la cachette du pingouin. Et les gars pensent que ça devrait vous intéresser. Ça peut être enterré dans le salon de l'iceberg. Passez pour qu'on vous montre. Ça peut m'augmenter une compétence. On va le faire, je pense. Hey. On va le faire, les compétences c'est important. Qu'est-ce que Batman a à voir là-dedans? Vous croyez que t'avais dit que tu nous ferais entrer dans le salon de l'iceberg? T'as dit que c'était bourré de merveilles. Boum. Pas mal. L'homme mystère, parle. Pitié, ne me fais pas de mal, je vais parler. Je n'en doutais pas. Non, j'ai rien pu trouver. Pitié, j'y retournerai et je chercherai encore. Ouais, il y a intérêt. Dégagez de là. Je t'avais pas dit que je serais des fous ici sans. La porte est ouverte, Batman. Entrez. Sans eux, je suis sur les nerfs. Mon médecin m'a dit que c'était pour ça que je passais mes frustrations sur les fermiers. Mais qui c'est qui parle là? C'est inutile de me frapper à nouveau. Je vais retourner à l'église et voir ce que je peux trouver. J'y compte bien. Faut juste. Toi, tu fermes ta gueule, pas trop fort. RKO dans ta face, petite talope, bas. C'est bon maintenant. Non mais oh.
On est où là en fait? Vous êtes revenu? Bien. Vous avez dû entendre la radio. En effet. Qu'avez-vous trouvé? Ça. Tom pense que ça a un rapport. Tu veux avec un plus grand Kamehameha ou pas, Mando? J'ai pensé que ça vous intéresserait. Je vais regarder ça. Je peux mettre plus grand si tu veux. Merci monsieur. Un détonateur de mine, en plus c'est important comme, comme amélioration. Je sais pas si Armando il est encore là. Alors, on va aller voir Bane. Qu'est-ce que tu fais, Batou? Je croyais qu'on était amis, qu'on travaillait ensemble et tout et tout. Depuis ma couche, où j'essaie désespérément de m'accrocher à la vie, il me semble que tu m'as trahi. En commençant à travailler avec le bac à glaçons. Moi aussi, je peux jouer à ce petit jeu. C'est Batman. Essaie de rejoindre ce traître de bonhomme de neige dans le GCPD sans que mes gars te zigouillent. Vas-y, je te mets au défi. Je te mets au défi. Pas la peine de chialer, mec. Faut juste que tu fasses ce que je te dis, pigé. Et puis, écoute bien. Vaut mieux pas que tu te foutes de moi parce que j'ai des amis ici. Je le saurai. Et tu peux être sûr que je te traquerai. On crève la faim ici. Vous parlez trop. Vas-y toi là. Non mais oh. Hey, go voir Bane. Yo Turpie, comment tu vas? Ça va ou quoi Turpinette hein? J'ai détruit les conteneurs, Bane. Bien. À terre, prisonnier. Vite. Aide-moi, Batman. On doit empêcher ces pantins de s'emparer du titan. Vas-y, Bane, je t'aide. Bon, aïe, mon beau. Oh, si tu me tapes, tu devais te fumer. Tu fais esprit de me taper, en fait. Et tu fais esprit de me taper. Tu me t'écartes. Enfoiré, va. Et tu me TK, arrête de me TK. Ah, trop tôt. C'est moi, connard, tu me t'es qu'à là. Et là, je te vois là, hein. Mais qui est. Mais je vais l'enculer. Comme je le disais, j'ai détruit mon stock. Il me t'es qu'à, ce connard. Que tu as fait pareil. D'une certaine façon, oui. Le titan est trop puissant pour être utilisé contre moi. J'avais besoin de tout pour moi. Maintenant, rends-moi un service. Et crève. Hein? Non! Hein? Je savais que tu n'étais pas fiable, Bane. T'es bugué alors un peu là. J'ai décidé de t'utiliser. Quoi? T'es pas un peu bugué là? Tu as rassemblé le titan restant. Maintenant, je peux le détruire. Non!
Non. Tu fais de la peine à Bane en détruisant le titan. Je voulais pas faire ça. Pas ma faute, on m'a forcé. On m'a forcé. Bon, je le libère, moi je suis gentil. Hein. Ah, je peux pas te libérer? Je t'ai prévenu, Bane. Libère-moi! Non, tu finiras bien par sortir. Un jour. Je suis trop occupé pour t'affronter. Non! Non! Oh, non! Et si. Allez, ciao. Tous dans les muscles, rien dans la tête comme les bodybuilders, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous marquez un point. Vous marquez un point là. Hein. Je fais ce que je peux. Batman, il est là! Boom, bam, bim, boom, bam. Dre, 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 dru, dru, dre, dru, dra, dru, dra, dri, dru, dra. Contre Mr. Freeze ici. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Impressionnant, Batman. Je ne pensais pas que tu allais revenir. Je suis un homme de parole, Victor. Tu devrais déjà l'avoir compris. Ah là là, battez-vous dans le chat, battez-vous. Tu m'as pas répondu à Mando, hein. Tu m'as pas... Je t'ai dit est-ce que tu veux le Kamehameha plus long, tu m'as pas répondu, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. À part si j'ai pas vu. Et là my bad, mais à mon avis je l'ai vu, et il y avait rien. La formule est terminée. Le processus de liaison semble avoir été concluant. Comment te sens-tu? Tu n'as pas l'air bien. Donne-le-moi. J'ai bien peur que ce soit impossible, Batman. Tu viens en fait de me donner ton dernier ordre. Non, Victor. Ce n'est pas le moment des négociations. Bien au contraire. Le clone détient ma femme. Cherche-la et ramène-la moi. Ce n'est pas ce qu'on avait convenu, Freeze. Oh, je crois bien que si. Tu vas me ramener Nora, ou alors tu vas mourir. Alors ici... La bienvenue dans mon... Oracle, Freeze m'attaque. Donnez-moi la télémétrie de sa tenue, vite. Pas de problème. Ici pour le tuer, il faut le tuer de plusieurs façons différentes. Donc il faut une exécution différente à chaque fois. Très bien, les données sont prêtes, je les envoie. Je sais pas si ça marche dans son dos, je vais tester. Où as-tu filé? Et ça marche une fois. Voilà. Ah je peux... Enfin je le tape ou pas les mecs? Non c'est bon. Peut-être fallait que je le tape, je sais pas. Ah fallait que je le tape je crois. Ouais, si ça marche, si ça marche encore, c'est que... C'est qu'il fallait que je tape. Ok.
Ouais, là il va apprendre du coup ma technique de temps dans le dos. Comment je peux attirer quelqu'un à un endroit? Je vais l'attirer là, ici. Le clown paiera pour l'enlèvement de ma femme. Freeze ne doit surtout pas me voir. Il est trop dangereux. Et en fait, j'aimerais le sauter, lui sauter dessus. Je peux t'entendre, ma femme. Bam 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 bam. Voilà. Tu veux donc te servir des mots contre moi? Très mauvais. Et là tu vois il me voit donc je vais réessayer. Les déplacements sont vraiment trop faciles à pister. Où es-tu? Ça marche pas. Comment la tirer ici? En fait j'ai le truc explosif, tu vois, je me suis dit bon ça marche mais. La chaleur de corps te trahira. Tu as senti ça? Ce n'était rien. La prochaine fois, tu mourras. Je vois, Batman. Mais non, en fait, il va jamais. Il va jamais là où je veux qu'il aille, en fait. En vrai, il y a d'autres méthodes, mais j'aimerais bien faire celle-là dès maintenant, quand on est tranquille, tu vois. Ça aussi c'est pas mal hein. Il va passer, je vais faire ça. Voilà. 1, 2, 3. Ensuite il y a ça. S'il passe à côté de moi, je sors de ma cachette. Je sais pas si je peux faire triangle à travers le mur s'il passe.